Bonjour à tous, c'est Pierre-Exemple pour Technoïd. Aujourd'hui, on va faire le test du drone EHIN E50. Alors, j'avais déjà préparé un test et j'ai dû le refaire parce que j'ai vu qu'on pouvait réparer le drone, ça. Donc, je vais en reparler un petit peu. Après, on va faire déjà le tour du propriétaire. Donc, alors, comme vous pouvez voir, là, il est complètement déplié, mais le gros avantage de ce drone, donc vous voyez 4 hélices, 4 belles hélices, eh bien, c'est qu'on peut le replier. Et ça, c'est, je trouve, le truc vraiment très sympa qui fait que ça le rend très transportable, puisque, comme vous pouvez voir, il se cache complètement. Donc ça, c'est le truc sympa. En termes de taille, voilà un petit peu ce que ça donne face à un smartphone de 5,7 pouces. On peut voir qu'il est plus petit. Alors forcément, il est plus épais aussi. Donc ça, c'est les petites choses déjà à savoir. Ensuite, par rapport à un smartphone de 5 pouces, hop, ici, voilà ce que ça donne. Donc là, il est toujours plus épais. C'est normal, mais il fait quasi... En fait, il est même un petit peu plus petit qu'un smartphone de 5 pouces, comme vous pouvez voir. Ce qui est quand même assez sympa niveau compacité. Alors il faut savoir que c'est un drone qui m'a été envoyé par Banggood qui coûte à peu près 40$. Il y a toutes les pièces détachées qu'il faut et ça on y reparlera après. Donc le truc sympa, alors donc comme je vous l'ai montré, il est repliable, il est réparable et ça on y reviendra après. Donc 4 hélices, donc on peut voir en fait à l'avant vous allez avoir des phares blancs avec des ailes vertes et à l'arrière des ailes qui sont, enfin des hélices qui sont elles. Qui sont elles blanches avec le côté rouge, donc ça fait vraiment phare de voiture. On peut voir que pour l'instant on démarre, donc là il est en train de démarrer en fait, donc c'est pour ça qu'il clignote comme ça. On a une caméra à l'avant, par contre il n'y a pas de protection comme vous pouvez voir. Hop, il n'y a pas du tout de protection, donc ce qui fait qu'il faudra faire un petit peu attention et peut-être à le nettoyer, mais pour l'instant j'en ai pas eu besoin. On a des petits trucs anti-dérapants. On a un quality check. Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre? Forcément, donc les moteurs, en fait, les moteurs, il faut savoir qu'ils sont placés, en fait, le long ici. Juste le long ici. On a l'engrenage ici et l'hélice qui est ici. On y reviendra après. Ça va être assez important. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il est facilement démontable. D'ailleurs, hop, il y a un coin qui a sauté ici. Bon, c'est pas très grave en soi. Je sais pas si j'arriverai à l'en mettre, mais bon, on va pas le faire dans la vidéo. On a le bouton power qui se termine ici. Donc ça, voilà un petit peu pour le tour du propriétaire. Donc quelque chose qui est assez sympa. Après on a une batterie qu'on peut enlever ici. Hop. Il faut savoir que la caméra que vous voyez ici, donc elle est, elle filme en 640 x 512 au lieu de 580, donc un petit peu plus que du 16/9. Ensuite nous avons la batterie de 500 mAh qui est plutôt de bonne qualité avec son chargeur. Alors c'est un truc un peu particulier, j'ai l'impression, par rapport à ce que propose JJRC que j'ai déjà testé. Donc ils ont leur propre chose. Il faut savoir quand même, de toute façon, vous avez des chargeurs et des batteries supplémentaires qui sont disponibles sur le site de Banggood, ce qui est plutôt bien d'ailleurs. J'ai regardé ça, c'est qu'il est proposé des packs avec plein de batteries et même un chargeur spécifique en fait qui permettent de recharger plusieurs batteries en même temps. Donc si vous voulez faire beaucoup de drones, et eh bien vous avez tout qui est sur le site de Banggood. En cherchant tout simplement EHIN E50, vous aurez toutes les tout ce qui est en plus, tout ce qui est pièces détachées, etc. Alors, comme vous pouvez voir, normalement, je fais aussi des extraits pendant la vidéo, je sais pas encore quand exactement. Donc c'est un drone qui en soi, je trouve, est intéressant pour les débutants. Par contre, il est assez fragile. Alors, pour ceux qui me suivent sur Twitter, j'ai dû montrer une vidéo. Alors, Twitter et Instagram, j'ai montré une petite vidéo comme quoi, en fait, cette hélice-là avait clamsé. Et hop, on va ressortir toutes les pièces détachées comme ça, vous verrez mieux. Alors, il faut que je la retrouve... Alors, en fait, ce qui est bien, c'est qu'ils ont fourni... alors, là, on en a 4. Je ne sais plus laquelle c'est. Alors, ce qui est bien, en fait, c'est que là, ils fournissent un peu plus que juste les hélices. Ils fournissent aussi... Ah, voilà, c'est celui-là. Ils fournissent aussi les engrenages qui font le lien entre le moteur et l'hélice. En fait, l'engrenage qui est, en gros, ici. Vous pouvez le voir en fait dans la vidéo que je montre là, c'est-à-dire que cet engrenage, tout simplement, c'est complètement à un endroit, donc je le mets de toute façon ici, à un endroit, c'est complètement c'est fait bouffer par le moteur complètement, parce qu'il n'y a pas en fait le problème de ce drone, et des drones en général qui sont pas chers, il n'y a pas de fusible, on va dire, pour stopper le moteur,
pour couper toute alimentation. Donc ce qui se passe en fait, c'est que dès que l'appareil va frapper un mur et on va dire va rester dessus, l'hélice, enfin le moteur va continuer à tourner, mais l'hélice va rester fixe, ce qui fait que ça va bouffer l'engrenage. Donc ça, ils avaient prévu le coup, et ce qui fait que bah, dans les pièces qui sont changeables de base, vous savez, ces petits engrenages qu'on mettait avec ces hélices. D'ailleurs, on a une hélice de rechange par endroit. Il faut faire bien attention au sens de l'hélice. Ne venez pas confondre, parce que sinon, ça va pas du tout se passer comme il faut. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on a tout qui est avoir l'engrenage en plus, ça montre vraiment qu'ils ont prévu que justement ce soit ça qui casse en premier plutôt que l'engrenage du moteur. En parlant toujours de réparation, il faut savoir que toutes les pièces sont retrouvables sur le site de Banggood, donc c'est-à-dire la carte mère, vous avez aussi la caméra, vous avez l'ensemble, en fait le châssis et les bras au complet, que vous pouvez retrouver avec les câbles que vous avez par contre vous à ressouder, donc il faut aussi un fer à souder, et donc comme je l'ai montré tout à l'heure, le chargeur et aussi la batterie sont trouvables chacun de leur côté. Donc ça, c'est plutôt bien. Si jamais il y a besoin de le réparer ou même pour prévoir, vous pouvez acheter plusieurs pièces. Moi, je vous conseille en tout cas peut-être, alors les hélices ont l'air très résistantes, et peut-être des bras, des moteurs complets, parce qu'apparemment de ce qu'il y a en plus, il y a juste l'hélice et il n'y a pas l'engrenage qui va avec. J'ai l'impression que c'est ça, donc ça c'est un peu dommage, mais au moins c'est trouvable. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre en plus de ça? On va parler maintenant de l'application. Donc déjà, je vais vous montrer un petit peu comment on met la batterie, parce que c'est un petit peu particulier. En fait, vous avez la fente qui est ici, qui est vraiment en fait ici, et vous avez donc la batterie. Donc là, il faut bien faire attention au sens. Et vous devez donc télécharger une petite application que vous avez vu normalement dans la petite vidéo d'introduction. Voilà. Là, c'est bon. Voilà. Là, on a mis la batterie. Donc maintenant, donc on l'allume. Vous pouvez voir, ça clignote. Donc là, il a démarré. Donc maintenant, il cherche à être connecté ici, donc au téléphone. Donc là, on a le iHin, donc c'est bien sûr en Wi-Fi que ça se connecte, iHin 350 AC2 pour ce modèle-là. Ensuite, on va chercher l'application Wi-Fi UFO, que vous avez sur le Play Store gratuitement, et sur iOS, vous l'avez aussi sur l'App Store, et on se retrouve sur ce menu-là. Alors, je vois qu'on voit pas forcément très bien. Hop, je vais augmenter un petit peu la luminosité, je vais aussi enlever ça, voilà. Et on se retrouve en fait sur le menu. Alors déjà, ce qu'on peut voir en fait, donc il y a la caméra qui est tout le temps active et qui nous permet de voir justement si d'avoir le retour caméra, donc pour le contrôler directement. Ce qui fait que déjà, ce qu'on peut voir, on a plusieurs boutons qui sont présents. On peut faire une photo, on peut faire une vidéo qu'on arrête en appuyant dessus. Ici, on peut voir effectivement directement les vidéos qu'on a enregistrées, qui sont directement enregistrées sur le téléphone d'ailleurs. Donc on peut voir ici. Donc ils sont un peu déformés parce que le format est pas 16:9. Et mon téléphone qui me force à être en... Ah ! Bref, en tout cas, on peut le voir ici. Donc on voit un petit peu comment il se débrouille. Donc ça, c'est assez sympa d'avoir directement sur le téléphone. À savoir que sur les dossiers, si vous voulez chercher directement les vidéos, savoir où est-ce qu'elles sont pour les mettre directement sur votre PC, quand vous allez chercher dans le dossier sur le téléphone, tout simplement, c'est dans le dossier, tout simplement, drone. Donc, ce qui fait que c'est facile à repérer, avec photos et vidéos, bien mis chacun à leur place. Donc ça, c'est quand même sympa. Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons 30, 60 et 100%. Qu'est-ce que c'est que ces pourcentages? Eh bien, c'est un truc que je trouve vraiment, pour le coup, très, très intéressant, puisque ça va être la puissance, en gros, d'orientation du drone. 30% pour le minimum, ce qui est très bien pour les débutants, pour apprendre vraiment à manipuler le drone. D'ailleurs, normalement, la vidéo est en train de vous montrer ça, où on peut voir les trois parties. Je vais mettre une petite annotation, normalement, où on montre voilà, que 30%, c'est vraiment léger, et qu'on va vraiment pouvoir le gérer facilement. 60%, on sent déjà qu'il s'incline plus et qu'il va aller plus vite d'un côté ou de l'autre. Et 100%, là, on sent vraiment qu'il y va franco. Et donc là, là, il va avancer très vite. Il va aller sur les côtés très vite, etc. Donc je trouve que c'est une très bonne chose d'avoir mis ce petit truc-là. Parce que ça nous permet vraiment, pour le coup, d'avoir trois fonctions pour, voilà, en gros, débutant, amateur et avancé, en gros. Et je trouve ça assez sympa. We'll be right back.
Donc on a Opheon. Alors, avant d'aborder ces trois parties-là, ce qu'il y a de bien... Alors, on a Reverse. Donc là, ça va retourner la caméra. Donc c'est par exemple, si jamais, j'imagine, peut-être qu'ils ont mis en place au cas où si la caméra est mise à l'envers. On a aussi le mode VR. Donc vous pouvez, en fait, ce qu'il y a de bien, vous pouvez normalement l'utiliser avec une manette pour justement le contrôler et directement avoir tout en fait à l'écran. Donc ça, je trouve ça assez sympa d'avoir cette fonction là. On a aussi savoir en fait, je sais pas du tout à quoi ça sert en fait. On a l'impression que c'est nord, sud, est, ouest, mais ça montre rien du tout. Et si on a je ne sais pas du tout, je sais pas du tout à quoi sert ces deux fonctions là. Donc voilà. Ensuite, on se retrouve avec la manette ici, qu'on peut voir ici, et donc c'est là où on va pouvoir le gérer. D'ailleurs, on va tester tout de suite parce que je ne l'ai pas fait. Hop. Alors, donc, je vous avais dit juste avant que je voulais tester avec une manette, et ça fonctionne pas. Donc, je ne sais pas si c'est peut-être une manette particulière ou quoi, mais là, pour le coup, ça ne fonctionne pas du tout. Là, je n'ai pas cette possibilité, en tout cas, je n'ai pas trouvé la possibilité de pouvoir tester avec une manette. Mais en tout cas, alors, petite chose aussi que j'ai remarqué, c'est qu'on peut le balancer aussi en 720p au niveau de la caméra. Ça, c'est chose à savoir. On peut aussi remettre à zéro les paramètres. Donc, aussi en termes de vol, donc là, vous voyez normalement quelques petites vidéos où vous le voyez voler. Et clairement, il est vraiment pas mal. Je le trouve super stable. Quand tout est bien en bon état, il est vraiment très très stable. On peut vraiment affiner. Et ça, c'est un truc qui est quand même assez bien. C'est qu'on peut affiner vraiment très bien. Je trouve ça assez bien fait. C'est assez discret. Ça permet de voir vraiment ce que ça donne. On peut vraiment affiner les réglages pour qu'ils soient très très stables. Et réellement, il l'est. Il est vraiment bien. Et ça, c'est plutôt cool. Ce qui fait que, une fois qu'on l'a réglé, une fois qu'on arrive à le maîtriser à 30%, à 60 et 100%, c'est beaucoup plus facile. Et ce qui est bien, c'est qu'à 100%, il va vraiment très vite. Il doit aller 2, 3, 4 ou 5 fois plus vite qu'en mode 30%. Donc, ce qui fait que, au lieu d'avancer peut-être un petit peu comme ça, on va dire, et ben, il va avancer comme ça, en fait. Il va être au lieu d'être à, en gros, 10 degrés, il va être à 30. Donc, il va vraiment, vraiment aller beaucoup plus vite. Ce qui fait qu'il est quand même assez polyvalent. Il va vraiment être intéressant pour les débutants, comme pour les... comme je l'ai dit tout à l'heure, pour les pros. Donc, on a plusieurs choses quand même à l'écran. On a, donc, je l'ai montré pour les vidéos. On a les 30%, 30, 60 et 100%. On a le mode 360 degrés, qui est en gros, quand vous l'activez, et que ensuite vous choisissez une direction de ce côté-là, ça vous fait une figure à 360 degrés. Donc assez sympa. Ici on peut voir si en gros s'il se voit, mais je ne sais pas en fait. J'ai l'impression que en fait c'est pour plusieurs, j'imagine plusieurs drones. Là il ne sait pas du tout si en gros il est droit ou pas. Donc voilà. Et on a après plusieurs choses. Ici on a en fait le démarrer tout simplement. Donc on peut le voir démarrer justement. On a le stop. Et après, on a ici, en fait, quand il est en vol, si vous voulez le poser, vous avez cette petite fonction-là. Et si vous voulez le stopper en urgence, vous avez ça. Alors, la petite chose, par rapport au bouton stop, je pense qu'il aurait été plus sympathique d'avoir un bouton stop plus gros. Parce que si jamais il se plante et qu'il ne se coupe pas tout de suite, parfois, en fait, on va appuyer un peu à côté, donc on ne va pas l'avoir facilement. Donc, ce qui fait que ça, c'est à prendre en compte aussi. Ça, je trouve, c'est un petit peu dommage. Néanmoins, il est quand même intéressant, ce drone est vraiment très très intéressant, parce que cette application est très bien, puisqu'on a le retour caméra, comme vous pouvez le voir, et enregistré directement sur le téléphone, ça je trouve ça très bien. Il fonctionne en Wi-Fi, en termes de portée, on est à peu près une trentaine de mètres. En termes d'autonomie, on est entre 7 et 10 minutes, donc je trouve ça assez sympa. Alors 7 et 10 minutes en mode 30%, hein, parce qu'il faut quand même arriver à le maîtriser, ce drone, et ça c'est plutôt positif dans l'ensemble. Dans le côté négatif, c'est le côté très fragile des engrenages. Par contre, en fait, quand il se plante, ce qui est bien, c'est qu'en fait, ça va casser en fait cette mise en place. Donc, ce qui fait que ça peut limiter les dégâts. Par contre, il faut vraiment être réactif sur le fait de le mettre stop, parce que sinon, ça va bouffer l'aile. Heureusement, ils ont prévu ces petits engrenages qu'on peut changer très facilement. Ce qui est bien, en fait, au niveau de la réparation. Donc, ce que j'ai fait justement, c'est que vous avez cette vis-là enlevée et vous avez cette vis-là. Donc ce qui fait que vous avez cette partie haute, il est vraiment fait pour être réparable en fait, c'est ça qui est bien. Cette partie haute va pouvoir s'enlever, et donc vous allez avoir le moteur qui est en fait tenu sur cette partie-là. Vous pouvez le voir dans la petite vidéo, normalement je l'ai montré un petit peu tout à l'heure. Et en fait on a juste à
enlever l'engrenage et enfin pouvoir enlever l'engrenage de ça. Alors la chose à savoir, c'est que c'est monter en force au niveau de l'engrenage, c'est-à-dire qu'en gros entre cette entrée là que vous voyez, hop, s'il arrive à faire le focus, cette entrée là est plus petite forcément que la tige ici, ce qui fait qu'il faut forcer. Et parfois en fait, comme il y a une certaine tolérance, parfois ça va être plus ou moins dur à forcer. Ça, c'est le truc un peu dommage qui fait que c'est pour ça un peu que ça peut bouffer les dents. C'est parce que comme c'est pas très précis entre ces deux parties là, au niveau de la tolérance, et j'aime bien son focus, voilà. Au niveau de la tolérance, et bien je pense c'est pour ça qu'ils ont prévu les engrenages. Et ce qu'il faut que c'est que en gros j'ai dû prendre une pince, tenir l'engrenage et faire tourner en fait l'hélice pour pouvoir la décoller en fait de la tige, parce que ça tient très très bien. Alors j'ai deux tiges en fait, j'ai deux hélices où ça s'enlève plutôt facilement, et j'en ai deux où c'est très dur. Ce qui fait que on va terminer un peu là-dessus. Qu'est-ce que je peux dire d'autre réellement? Je sais pas si on peut changer la caméra pour une caméra plus puissante, mais je pense que oui. Je pense que c'est possible. Peut-être aussi qu'on peut mettre une batterie plus puissante, mais à mon avis, après, il y a pas mal de modding à faire, parce que c'est quand même très adapté juste pour cette batterie-là, mais je pense qu'il y a moyen derrière d'avoir quelque chose d'un peu plus massif, pour une plus grosse autonomie. Ce qu'il y a de bien vraiment pour ce drone, c'est que je trouve, il s'adapte très vite, il est très transportable, c'est-à-dire que vous voulez faire du drone, vous avez vos batteries sur vous, alors normalement, il y a aussi une pochette qui est donnée avec, une pochette noire, je l'ai vue, et je sais plus où est-ce qu'elle est. Vous avez une pochette noire, vous avez ça, vous avez quelques batteries, et votre téléphone, et si vous êtes, comme moi, avoir des jeans avec des grosses poches, vous pouvez le mettre dans la poche, ou directement dans votre petit sac, ou etc. Ce qui est qu'il est vraiment super transportable par rapport aux autres drones que j'ai eu où les hélices dépassent, où il y a les protections, etc. Là, le fait de pouvoir juste, je vais aller en ville, je vais aller faire un peu de drone, et hop, j'ai tout ici. Donc, ce qui fait que c'est assez sympa. C'est vraiment sympa. Et voilà, ceux qui veulent le réparer, ceux qui veulent le démonter, améliorer les connexions, etc., vous pouvez, clairement, tout est... Enfin, il faut quand même avoir quelque chose qui puisse atteindre les vis qu'on voit ici, qui sont un peu profondes, mais tout est facilement démontable et tout est fait pour être démonté. Donc, c'est plutôt cool. C'est vraiment cool, je trouve. La caméra peut être aussi, comme vous pouvez le voir un petit peu, on peut orienter la caméra, ce qui est plutôt sympa aussi, même si par contre, on peut voir qu'elle n'est pas très très droite. Je sais pas si ça se voit bien là, mais elle n'est pas très très droite, elle va un petit peu vers la gauche. Mais néanmoins, je trouve que ça lui fait quand même beaucoup de qualité. Ça lui fait vraiment beaucoup de qualité. Après, pour ceux qui ont tendance à être très maladroits et qui ont peur de casser ce drone et de devoir le réparer, il y a un autre test qui va arriver que je vous conseille d'attendre, qui est moins cher et qui vous permettra de voir un peu ce que donne un tout petit drone quasiment incassable. Là, c'est pour ceux qui sont assez soigneux, j'ai envie de dire, ou qui sont un petit peu bricoleurs, franchement, ça peut être pas mal, et dans le temps, il peut bien résister, et à mon avis, il y a pas mal de possibilités, je pense, avec ce drone, mais il est vraiment sympa, j'ai eu un coup de cœur pour ce drone, clairement, parce que il est compact, il est pas trop cher, il est très réparable, avec les pièces qui sont déjà dispo, et il est pensé pour être réparable sur des choses qui sont toutes bêtes, il est plutôt autonome, c'est dans la bonne moyenne, on va dire, des drones. Il a aussi une caméra qui fonctionne et qui enregistre tout sur le téléphone, et le fait qu'on puisse l'utiliser directement sur le téléphone. Ça, c'est vraiment le gros truc. En fait, le truc qui casse un petit peu, c'est son côté très très fragile, ou ne pas avoir pensé en fait à lui mettre un fusible en fait, ou un système de coupure en fait, quand il voit que justement l'hélice a tendance à trop forcer sur le moteur, ou le moteur force. C'est un petit peu dommage. Après, je pense que forcément à 40$. Il y a forcément des coupes budgétaires qui sont faites dans pas mal de petites choses et qui limitent forcément sur des choses parfois un peu importantes. Donc forcément, là, pour le coup, c'est ça. Mais la plupart des choses sont assez bien pensées. Je trouve que c'est un drone qui est de bonne qualité et qui mérite clairement de s'y intéresser, parce que... parce qu'il est sympa, il est globalement sympa, et c'est surtout son côté très polyvalent, que ce soit pour les débutants ou les personnes un peu plus habituées au drone, pour la qualité en fait de pilotage du drone, d'avoir quelque chose de simplement pilotable, ou avoir quelque chose qui soit un peu plus
rapide et forcément plus compliqué, bah il est très sympa. En plus, il est vraiment stable. C'est le truc qui est très bien, c'est qu'il est vraiment stable. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain test sur Technoid. Si vous avez des questions, si vous avez des choses particulières à redire par rapport à ce drone ou d'autres drones, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. N'hésitez pas à partager ou liker si vous avez bien aimé cette vidéo. Et on se dit à bientôt pour un prochain test.